Coucou tout le monde, ça y est, c'est l'heure, la séance abdo va commencer. J'espère que tout le monde va bien et que vous vous êtes bien reposé hier. C'était un jour sans, un jour off, hein, je suis désolée. Du coup, aujourd'hui, petite préparation de séance abdo. J'espère que vous êtes bien reposé, que vous êtes en forme, que vous avez toujours avec vous votre bouteille d'eau, votre petite serviette, comme habituellement. Parce qu'avec Pasenko, on va jusqu'au bout, on ne lâche rien, d'accord? Alors, est-ce que tout le monde est connecté? Est-ce que tout le monde peut mettre un petit coucou, savoir si vous êtes déjà opérationnel? Et puis, si on peut ne serait-ce que commencer le petit échauffement. Alors, je mets le volume un petit peu moins fort aujourd'hui. D'accord, parce qu'après, du coup, quand je transmets les vidéos, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, je baisse un petit peu le volume au niveau de la musique. Ça, bon, ça permettra que vous m'entendiez mieux, il n'y a pas de souci. On va partir sur un petit échauffement. Et puis ensuite, sur la séance abdo. Ok? Coucou tout le monde. Donc, sur la séance abdo, nous avons aujourd'hui 5 exercices, comme à notre habitude. 5 exercices avec un petit temps de récup entre chaque, d'accord? Donc 15 secondes. Et ensuite, entre chaque série, d'accord? 5 comme d'habitude, on laissera une petite minute de récupération active. Donc, je vais vous montrer par quel exercice on va commencer. Vous les connaissez normalement tous. Je vais de toute façon redonner des petites informations, des consignes, d'accord, de posture, etc. Et puis, comme ça, tout se passera bien, comme d'habitude. Et si c'est un petit peu dur, un petit peu trop compliqué, n'hésitez pas à me laisser des messages pour que je puisse adapter les petites séances de renforcement musculaire. Donc, le premier exercice pour aujourd'hui, c'est les crunchs. Vous les connaissez. Il y aura juste une petite différence par rapport à l'habitude. C'est qu'on va faire les crunchs en escalier, c'est-à-dire en trois temps. D'accord? Donc, vous allez avoir vos genoux toujours fléchis. Ok? Et vous allez monter en trois temps. 1, 2, 3, je reste, je redescends. 1, 2, 3, je reste, je redescends. Ok? Ça, c'est le premier exercice, d'accord, qui va être suivi, donc il y aura souvent des deux en un, hein, comme j'ai l'habitude de faire, qui va être suivi, du coup, je me redresse, mais parce que j'essaye de regarder les messages en même temps, qui va être suivi de celui-ci. On va aller toucher au plus loin, sur les côtés, droite, gauche, on essaie de toucher au moins son talon, d'accord? Ensuite, deuxième exercice, que vous connaissez également, on va faire des flexions, extensions au niveau des jambes, ok? Toujours avec le buste au sol. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu plus loin. Hop! Avec les genoux, relevés, d'accord? Perpendiculaire, on essaye au maximum. Et on va aller chercher loin, loin, loin. Pour ceux qui auront un petit peu plus de mal, vous pourrez les faire un petit peu plus en hauteur. D'accord? Ok, ça c'est le deuxième exercice. Ensuite, vous allez avoir cet exercice, je me mets un petit peu de face pour vous montrer un peu la posture. La posture sera comme en tailleur, ça tout le monde connaît, cette posture-là, d'accord? J'espère que vous avez une petite serviette ou un petit tapis pour éviter de vous faire mal au dos. Donc je vous montre cette posture en tailleur, vous allez la voir allongée, d'accord? On est là, hop, allongée. Et on va venir chercher à se relever, ok? Hop, comme ceci. Donc ça, c'est le troisième exercice. Ensuite, les climbers, ceux-là, vous les connaissez. Je me mets de face pour que vous puissiez bien voir. Donc les épaules bien au-dessus des poignets. Et on va faire les climbers croisés. Hop, vous voyez, là, je ne ramène pas mon genou directement vers ma poitrine. Je ramène vers mon coude opposé. Ok? Voilà. Ça, c'est les climbers croisés. Une fois qu'on a fait celui-ci, c'est un 2 en 1, on restera toujours sur les bras, ok? Une fois qu'on a fait nos climbers, croisés, comme cela, on prendra appui sur un bras et on lèvera l'autre, ok? Et on fera la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est le quatrième exercice. Ensuite, le dernier, ça va être du gainage frontal. Je refais un petit coucou à tout le monde au passage. Ça va être du gainage frontal, d'accord? Donc face au sol. Ça, celui-là, vous le connaissez également. Le gainage face au sol, celui-là, il n'y a pas de... Normalement, pas de problème.
Ok? Pour ceux qui ont un peu plus de mal, vous pourrez poser vos genoux au sol. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà, donc ça, c'est tous les exercices d'aujourd'hui pour notre petite séance abdos. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme et encore une fois que tout le monde a sa bouteille d'eau. Très très important. N'oubliez pas votre petit appui, votre petite serviette pour qu'on puisse... Oula, je perds l'équilibre. Pour qu'on puisse ne pas se faire mal au dos pour le troisième exercice. J'ai le hoquet, je suis désolée. Alors, donc, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, la musique, on va la mettre un petit peu en sourdine. C'est un petit peu compliqué de laisser le volume lorsque du coup je partage les vidéos. D'accord? Donc un petit peu moins de volume au niveau de la musique, hein, c'est pas très grave. Vous entendrez encore plus ma voix pour que je puisse vous motiver. Ok? On est parti quand même pour un petit échauffement avant tout ça, comme d'habitude. Et puis ensuite, on part sur du coup la séance abdos. On finira par un petit, une petite séance de stretching. Enfin, je vous montrerai les petits exercices que vous aurez à faire pour pouvoir vous étirer bien comme il faut. Ok? C'est bon pour tout le monde? Alors, on y va pour le petit échauffement, ça va être tranquille, hein. Normalement, allez, on y va. Prêt? J'espère que tout le monde va bien, moi j'ai la pêche. Allez, la tête. Ok, dans l'autre sens. Encore. Ok, les épaules. Allez. Encore. Vers l'avant. Ok, allez. Tire. Tire. Encore. Allez. Dans l'autre sens. Tire. Tire. Loin. Allez, légère rotation du buste comme habituellement. Pensez à bien respirer. Devant les bras. À l'horizontale. Le bassin. Avant. Arrière. Je me mets sur le côté pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Encore. Très bien. Allez, on part sur le côté, derrière, côté, devant. Encore. De côté. Ok, on monte les genoux. Allez. Encore. Allez. On va faire la même chose, mais vers les talons fesses. Allez, on y va. Ok, ça a coupé. Est-ce que tout le monde est toujours là? Allez, on continue. Je ne sais pas si ça a pris du début ou pas. On a fait les articulations, maintenant step up. Allez, plie. On a fait les articulations. Dites-moi hein, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas. Ok, allez, course sur place. Prévenez-moi s'il y a une petite coupure. Si tout le monde a pu suivre. On a commencé par les articulations, un petit peu de montée de genoux. Et là, on commence à faire monter le rythme cardiaque. Allez, montez les genoux. Encore. Allez, talons fesses. Ok, position squat. Allez, on descend. Les pieds, largeur du bassin. Dos droit. Pensez à bien respirer. Allez, encore. Les genoux ne dépassent pas les chevilles. Les fesses bien en arrière. Allez. Et on reste. On reste. Allez, on bouge plus. Allez, 10 petits, c'est parti. 1,
Encore. Ok, on reprend la course. Allez. Rapide, 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 encore. Allez, encore, 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 encore. Ok, on relâche. On relâche. On s'étire. Ok, on va pouvoir commencer la séance abdos. Le petit échauffement rapide mais efficace, d'accord? Juste pour éviter de se blesser. Buvez un coup si vous avez besoin. Et on va pouvoir commencer notre petite séance abdos. J'ai montré les 5 petits exercices. J'espère que ça n'aura pas coupé. On vérifiera ça après. Donc j'ai montré les 5 petits exercices que nous allons effectuer avec donc le temps de récup entre chaque et le nombre de séries qui est de 5, d'accord? Avec une minute de récup entre à chaque fois. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des petits messages pour densifier un petit peu, complexifier ou simplifier s'il y a besoin au niveau des postures, si vous avez des difficultés, etc. Il ne faut vraiment, vraiment pas hésiter. Ok? Allez, on est parti pour le premier exercice. Donc, on a parlé des crunchs tout à l'heure en escalier, d'accord? En 3 temps. Ok, je vais vous redonner les consignes. Montez bien le menton, ne le rentrez pas vers la poitrine. Regardez bien vers le ciel, rentrez votre nombril et expirez quand vous montez. D'accord? Parfait. Allez, on y va. Allez, les crunchs. 5, 6, 5, 6, 7. Allez, 1. 2, 3, je reste, redescends, et 1, 2, 3, je reste, redescends, 1, 2, 3, relâche, 1, 2, 3, relâche, 1, 2, 3, relâche, 1, 2, 3, encore. Allez, rentrez bien votre nombril, pensez bien à respirer, n'appuyez pas sur votre nuque. Contractez vos abdos. Ok. Dernier. Ok, on va toucher sur les côtés. Allez, le plus loin possible. Allez. Allez, courage. Dernier. Ok, relâchez. Premier exercice, terminé. Ça va, il n'était pas trop complexe. Je pense que celui-ci, tout le monde peut le faire. Normalement, il n'est pas à simplifier, mais n'hésitez pas quand même à me laisser un petit commentaire pour me dire si c'est trop dur ou pas. Ok, on adaptera, hein, il n'y a pas de problème. C'est pour tout public, il n'y a aucun problème. S'il y en a qui ont un petit peu plus de difficultés, qui font moins d'activités sportives ou physiques habituellement, c'est normal. On s'adapte à tout, ok? Allez, on est parti pour le deuxième exercice. Vous vous rappelez? On va faire en petit et ensuite des flexions extensions des jambes. Ok, des petits d'abord, petits. Et ensuite, on partira sur les flexions extensions. Allez, petits. 1, 2, 3. Pensez à respirer. Rentrez le nombril. Contractez vos abdos. Neuf, dix. Ok, vous pouvez poser votre nuque et on y va. Allez, rentrez bien le nombril, ne cambrez pas. Encore. Ok, super, parfait. Ça va toujours? Ok, personne parle, j'imagine que tout va bien. J'espère que tout va bien. Ok, alors, le troisième exercice. Je vous disais tout à l'heure, position tailleur, d'accord? Je me suis mis de face pour vous montrer. Hein, donc, position tailleur, si personne, enfin, s'il y en a qui ne connaissent pas, d'accord? On part de la position allongée et on essaie de revenir s'asseoir, d'accord? Et on redéroule le dos pour pouvoir reposer le dos au sol. Allez, on est parti.
Vous êtes prêts? 5, 6, 7. Et relève. Ok. Encore. Relève. Allez. Respirez bien. Relève. Et enroulez. Ok. Relève. Ok. Dernière. Relève. Redescend. Ok, ça va pour cela? Cela, je vous en ai vraiment pas mis beaucoup. Je veux d'abord voir si tout va bien pour vous et ensuite, on adaptera et on multipliera le nombre, d'accord? On part sur 10 à chaque fois sur chaque exercice, hein? Ok? On part sur le quatrième exercice qui est donc le climber croisé, ok? Donc, je rappelle, les épaules bien au-dessus des poignets, les segments, c'est-à-dire la nuque, le dos, les fessiers, les jambes bien alignées, d'accord? Vous regardez vers le sol, vous ne cambrez pas, vous ne cassez pas votre nuque, ok? Et vous allez aller toucher avec votre genou, enfin pas toucher, mais en tout cas, dirigez-vous vers votre coude opposé. Je me mets de face pour vous montrer. Ok? Ensuite, à la suite de ça, on partira sur le côté comme on a montré tout à l'heure. C'est parti? Allez, on y va. 5, 6, 7 et... Allez, gainez bien. Serrez vos fessiers, rentrez vos abdos. Allez, plus que un. Ok, allez. On gagne bien comme il faut. Et on respire. Contractez vos abdos. Encore. Ne lâchez pas. On va faire l'autre côté. Allez, on tourne. Change de bras. Désolée, je suis de dos du coup. Allez, allez. On tient. Encore, encore. Allez, dernière force musicale. Et 5, 6, 7, relâche. Parfait. Première série. Presque fini, il nous reste le gainage de face, d'accord? Le gainage frontal comme on a dit tout à l'heure. Sur les coudes, pour ceux qui n'y arrivent pas bien, vous pouvez poser les genoux. Allez, on est parti. On lâche rien. Hein, on rentre le ventre, on engage les abdos, on contracte tout, c'est parti. Allez, on tient. Encore, et un. On lâche pas. On n'en est qu'à la première série. Allez, encore. Et on garde le sourire, bien sûr. Hein? Allez, encore. Tenez bon. Et relâchez. Ok, parfait. Super. Gainage frontal, terminé. Première série, terminé. Ça va vite, hein? Donc, on va essayer de bien se concentrer, de bien écouter les consignes. Hydratez-vous bien. Bonjour à tous ceux qui se connectent. On a fini la première série d'abdos. On va reprendre la deuxième jusqu'à 5. Comme d'habitude, ça passe super vite. D'accord? Quand on est ensemble, hein, ça passe toujours très très vite. Hein. J'espère en tout cas que tout le monde va bien. Vous êtes en forme. Et que votre week-end de Pâques se passe à merveille. Ok, là je suis comme d'habitude devant vous en train de regarder voir s'il y a des commentaires et de parler avec vous. Sachez que la récup est active hein, normalement. Hein. Si vous pouvez ne serait-ce que garder une petite marche le temps de la récupération, ça serait vraiment topissime. Ok, ne restez pas sans bouger, dansez, marchez, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ne restez pas sans bouger. On va repartir sur la deuxième série. Ok, est-ce que tout le monde va bien? J'aimerais tellement vous entendre hurler. Allez, oui, on se prépare pour les œufs de Pâques, là. Hein. Si vous voulez en manger un petit peu, prenez soin de vous et faites un minimum de sport. En tout cas, d'activité physique. Allez, on est reparti pour la deuxième série. Les crèches en escalier,
puis touchez les côtés. Allez, on y va. 5, 6, 5, 6, 7 et 1, 2, reste. 1, 2, reste. Allez, rentrez le nombril, essayez de ne pas cambrer. Regardez vers le ciel, levez le menton et contractez vos abdos. Respirez bien comme il faut. Encore. Allez, on en a la moitié, c'est rien du tout, hein. Allez. Ok, allez, encore. Allez, encore 3. On ne lâche pas avec Pasenko. Jusqu'au bout, on n'abandonne jamais. Ok, sur le côté, allez, on y va. On enchaîne. Allez, courage, ne lâchez pas. Allez, 2, 1, et relâchez. Parfait, super. 15 petites minutes, petites secondes de récup. Et ensuite, on part sur les petits, tout petits crunch et flexion-extension des jambes, d'accord? Ok. Oh, mais qui vois-je? Super. Allez. On y va. Petit. 10. Allez. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Respirez, rentrez le nombril. 2. 1. Reposez la nuque. Pli. Tend. Ne cambrez pas. Hein. Allez. 7. 8. 9, 10, ok, super, parfait. Alors, le troisième exercice, j'espère que vous vous en rappelez. l'exercice en tailleur, ok. On était parti sur 5 tout à l'heure, je n'ai pas eu de commentaires à ma connaissance. Donc, on part sur 10, comme à chaque exercice que nous faisons depuis tout à l'heure, ok. Je pense que ça devrait le faire, hein. Allez, position tailleur. J'espère que tout le monde me voit bien. Je pense que oui. Allez, on rentre le nombril. Et 1. On déroule le dos. 2. Déroule. Allez. Encore. Et redresse-toi bien. Allez. 4. Ok, super. Allez. 5. Doucement dans la descente. 6. Ok. 7. Respirez bien. 8. Allez, plus que 2. 9. Et dernier. 10. Ok. Parfait. Je pense que tout le monde va bien. J'espère que oui, en tout cas, je vous envoie toute ma force et toute ma pêche du jour, ok? On part sur les climbers croisés, ok? Pour ceux qui viennent de se connecter, on amène le genou vers le coude opposé, ça marche? On aligne bien tous ses segments et on contracte ses abdominaux. Prêt? Allez, 5, 6, 5, 6, 7, allez, croise, croise, allez, 2, 3, 4, 5, 6, on garde le sourire, 7, 8, 9, 10, ok, on reste sur sa main, allez, on respire, on gaine, encore, on reste, allez, on lâche pas. On peut même danser en même temps. Allez, on tient le coup. On va bientôt changer de bras. Allez, pause et reste. Allez, fléchissez légèrement.
Toujours. Jusqu'au bout. Allez. Allez, dernière pause musicale, ne lâchez pas. Encore. Ok, super, parfait. Nickel. Bon, alors, après ça, le dernier exercice de la deuxième série. Le gainage frontal, comme je vous l'ai dit, on aligne tous les segments, la nuque, la colonne vertébrale, les fessiers et les jambes. Pensez à bien respirer, rentrez le nombril. On est parti. Allez, je compte sur vous, hein. Allez, c'est parti, on lâche pas. Pensez à respirer, engagez vos abdos, serrez vos fessiers. Allez, encore. Ceux qui ont un petit peu de mal, vous pouvez poser les genoux. Ceux qui arrivent très bien, vous levez une jambe. Puis l'autre. Changez. Encore. Ok, relâchez. Parfait. Je vous donne toujours des éléments de simplification ou de complexification, pardon, complexification, pour pouvoir vous adapter aux exercices. Hein, si c'est pas assez dur, trop dur, faut pas hésiter à me laisser des messages hein, en ce sens, il n'y a aucun problème. Hydratez-vous. Voilà, pensez à bien vous hydrater. Aujourd'hui, il fait un petit peu moins chaud que d'habitude, donc c'est un peu plus agréable. Je vois plein de cœurs partout. Je vous embrasse moi aussi. Ça me fait plaisir de vous voir connectés tous. Donc, petite minute de récup. On disait la dernière fois, c'est important de faire de la récup active. Hein. D'accord? Pensez à marcher sur place, faire des petits step-taps en attendant. D'accord? Pendant votre récupération. Mais toujours en bougeant un petit peu. Hein. Très important. Alors, on s'apprête à faire la troisième série, ok? Pour ceux qui viennent de se connecter, troisième série de renforcement musculaire abdominal. On est presque. Allez, reprenez bien votre souffle. On est reparti pour la troisième série. Allez, ça chauffe pas trop là, hein? Là, j'ai été gentille parce qu'on était sur des séries de 15 d'habitude. Aujourd'hui, j'ai dit allez. On prend avec des séries de 10, mais honnêtement, on pourrait faire mieux, hein. 5, 6, 7, allez. 1, 2, 3, je reste. Encore. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Allez, on continue. Ok. Et relâche encore. Contracte. Allez, encore deux. Rentrez bien votre nombril. Allez, on enchaîne sur les côtés. Allez, pensez bien à respirer. Levez votre menton légèrement. Allez, on essaye d'aller le plus loin possible. Ok, relâchez. Parfait. Super. Fastoche. Eh ben, c'est parfait si c'est fastoche, monsieur Thierry. Aujourd'hui, j'avoue que c'est une séance un petit peu plus cool que d'habitude. Hein. Donc, les amis, là, me dites pas que vous avez beaucoup de courbatures demain. Hein. Normalement, ça devrait le faire, hein. C'était repos hier, j'aurais pu être un peu plus dur avec vous que ça. Hein. Allez, on est parti, 10 petits. Allez. Relâchez, flexion, extension. Allez. Allez, à la moitié. Allez, 3. 2, 1,
Relâchez. Parfait. Ah ouais, là, on pouvait largement partir sur des séries de 15. Hein. Franchement, j'ai été cool avec vous aujourd'hui. Hein. Alors, des petits messages. On veut des preuves hein, de ceux qui luttent pas et qui disent que c'est facile. À part, évidemment, ceux qui sont habitués à faire du sport tous les jours, etc. Là, je veux bien le croire, c'est les doigts dans le nez. On est parti pour le tailleur. Je vais m'avancer un peu, sinon vous ne verrez pas bien. 5, 6, 7. Allez, on rentre le nombril. On était parti sur 15. Allez. Amortissez la descente. On arrondissant le dos. Allez. Plus que 3. Pensez à bien respirer. Ok, super, parfait. Nickel, hein. Là, on est bien, on a la pêche, on est en forme, on va aller jusqu'au bout. Alors. Allez, on est parti pour les climbers. Croisez les épaules au-dessus des poignets et on est parti. On garde le sourire, on lâche pas. Ok, on reste sur une main. Et on contracte les abdos. Allez. Encore, on lâche pas. Troisième série, les amis, hein. Celle-ci, elle est vraiment pas dure, hein. Allez, on change. On reste. Serrez vos fessiers, vos abdos. Ne cambrez pas. Allez, on tient encore. 3, 5, 6. On passe sur la dernière, le dernier pardon, exercice, dernier exercice de la troisième série. Elle t'envoie sa vidéo. Ok, super. Parfait. On part sur le gainage frontal, les amis. Face au sol. Allez, je compte sur vous. On tient. Allez, c'est parti. On serre les fesses, on serre les abdos. On pense à respirer. Rentrez bien le nombril. Allez, on tient jusqu'au bout. Ceux qui peuvent faire les petites rotations du buste, comme on avait déjà fait la dernière fois, on n'hésite pas. Ou alors, on lève. On enlève un appui. On change. Ceux qui n'y arrivent pas bien, vous vous mettez sur les genoux. Encore. Et on relâche. Ok, super. Parfait. Parfait, parfait. Hydratez-vous. Bon, va falloir qu'on voit tous ceux qui se connectent là, messieurs là. Messieurs, messieurs, Nono, Thierry, toute la bande. Hein, on ne vous voit pas beaucoup, hein. Ok, récup active pour ne pas rester sans rien faire, comme je vous dis à chaque fois. Soit petite marche sur place, soit petit step-up. Ok? J'espère que tout va bien. Que le confinement n'est pas trop dur. Sachez que je pense à vous. J'espère que vous prenez soin de vous. Que votre famille va bien. Allez, on est reparti pour la quatrième série. Allez, pas de mollesse, hein. Pas de mollesse. Je vais peut-être mettre quelque chose en dessous de moi. Bougez pas.
Ne bougez pas. Surtout pas. Je suis là. Ok. Parfait. On y va pour les crèches? On enchaîne. 5, 6, 7. À l'escalier. 1, 2, 3, on reste. Escalier. 1, 2, 3, on reste. N'oubliez pas de monter votre menton vers le ciel. Et n'appuyez pas sur votre nuque. Ok? Rentrez votre nombril. Engagez bien vos abdos. Et pensez à bien respirer. Ok, on n'a plus de musique, mais ce n'est pas grave. Hein, on va combler, il n'y a pas de problème. Allez, on en est à 7. On est vraiment, vraiment arrivé jusqu'au bout là. Allez, courage. Encore 2. Ok, dernier. Parfait, on enchaîne. Allez, on va toucher loin. Loin, loin. Encore. Allez. Allez, 9. Et 10, relâchez. Super. Parfait. Alors, je vais remettre un petit peu juste en fond, histoire qu'il y ait quelque chose. Ok, on a fait nos petits crunch. On enchaîne avec l'exercice suivant. Hein, toujours dans la même position, sauf qu'on lève les jambes. On est parti, les petits. 5, 6, 7. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on plie en temps. Allez, flexion, extension. 3. Ok, on continue. Allez, 5. Pensez à respirer. 6, 7. Allez, on va jusqu'au bout. 9, 10, relâchez. Ok, super. Parfait. C'est bien là, on est bien là. Déjà, on en est déjà au deuxième exercice de la quatrième série. Honnêtement, ça va super vite. Je vous laisse toujours un petit peu récupérer et je vous montre l'exercice après pour avoir vos 15 petites secondes parce qu'après, on va dire « Oui, Alexia, elle enchaîne les exercices, on n'a pas le temps de respirer. » Donc, l'exercice en tailleur. Allez. Hop, on enchaîne à 10, c'est parti, allez, n'oubliez pas votre colonne vertébrale, amortissez, pensez à expirer quand vous montez, allez, encore 3, dernier. Super. Eh, hey, les doigts dans le nez, hein, les amis. Hein. Honnêtement, dites-moi, ça va? On a vu pire. Je pense qu'on a vu pire dans les séances hein, de chez Pasenko. Hein. On s'adapte un petit peu à tout le monde. Hein. Un coup, c'est un peu plus simple. Un coup, c'est un peu dur. Un coup, on ne sait pas ce qui lui est arrivé à la coach. Enfin, bon, bref. Mais là, aujourd'hui, ça va. Hein. Franchement, c'est tranquille. Allez, climbers croisés. Et on enchaîne avec le bras à la verticale. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on reste encore. On lâche pas. Alignez vos segments, je vous vois d'ici, là, vous êtes comme ça, là. Allez, j'ai les yeux partout, hein, vous savez pas. Hein. Je suis chez vous. Allez, dernière phrase musicale. Ok. Allez. Pensez bien à ne pas avoir le bassin en arrière ni en avant. Les bras alignés. Contractez vos abdos. Allez, encore. On lâche pas. Jamais. Allez. Encore et on tourne, change d'appui. Allez, on reste. Continuez, restez, je vais mettre dans l'autre sens pour ne pas être toujours dos à vous quand même.
tiens. C'est dans la tête. Encore une fois, allez. Allez, on est des fous, on enchaîne avec le gainage frontal. Allez, ne lâchez pas. On ne lâche rien. Allez. Surtout que c'est la dernière, le dernier exercice de la quatrième série. Hein. Il n'y a plus grand chose. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, encore et 1. 5, 6, 7, relâche. Ok, ça va, parfait. Allez, on récupère. Buvez un coup si vous avez soif, n'hésitez pas. Ouh, c'est un peu chaud, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Désolé, hein? On fait comme chez nous, il paraît. Pour la dernière série. Allez. Reprenez votre souffle. Allez, plus qu'une série. On est bien là. Franchement, on n'a pas trop sué hein, aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas à dire. Ça n'a rien à voir avec la séance cardio de la dernière fois, les fessiers, tout ça. Hein. Dur, dur. Non, allez, courage. Il n'y a plus qu'une série. D'accord? Allez. On est reparti tranquillement. Les petits crunch. Pas de crunch chocolat, hein, Véro. Hein. Je te vois venir. Hein. Je t'avouerai que j'adore ça aussi, hein, mais bon. Pâques, c'est pas aujourd'hui. C'est demain. Enfin, je dirais même lundi. Allez. Reste. Allez, on enchaîne. Encore. Ok. Vous en êtes à la moitié, allez. Allez, encore trois. Dernier. Ok, on en enchaîne. Hop, droite, gauche. Allez, trois. Cherchez loin. Allez, 5. Rentrez le nombril de corps, et pas respirer. 7. Dernier. Ok, super. Comme on est des fous, on va essayer d'enchaîner sur l'exercice suivant. Hop, les jambes là-haut. Allez, du petit. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 9. 10, reposez, on y va. 1, 2, allez, engagez vos abdos toujours, ne cambrez pas, respirez bien comme il faut. Remontez légèrement les jambes si c'est un peu dur pour vous. Allez. Ok, relâchez. Super. Est-ce que ça va toujours? C'est vrai, c'est le week-end de Pâques et on est en train de faire des abdos. Ouais, mais au moins, on aura moins de scrupules à manger des chocolats, les amis. Bah oui. Non, mais, hé. Ça réfléchit aussi chez Pasenko, hein. Ouais, vous mangez pas mal de chocolat, dis donc. Bah oui, mais on s'est tapé une semaine de sport de folie, tout de même. Ah bon? Avec qui? Pasenko, bien sûr. Bah, c'est vrai. Là, je me mets dans ce sens-là, mais c'est... Ah oui, si, c'est ailleurs, pardon, excusez-moi. Vous êtes en train de me perturber avec vos chocolats. Allez, on y va. Allez, 10. Rentrez le nombril, pensez à respirer. Allez. Doucement dans la descente, hein. Enroulez la colonne vertébrale. Allez, encore 3. 3. 2. Relâchez. Parfait. Il suffit de pas en acheter des chocolats, me dit mon cher Thierry. C'est pas faux.
C'est pas faux, mais quand tu vas dans les magasins et que t'as au moins 5 crayons au chocolat, tu fais comment? Tu passes comme ça? Comme ça? C'est tellement bon. Et encore, moi, je suis pas trop chocolat, ça va. Chocolat noir. Mais le reste... ou alors, il y a une marque en particulier que j'adore. Kinder. Ça, oh là là. Il n'y a rien à dire. Oh, cette marque-là, c'est de la folie. Enfin bref, passons, on est en train de faire nos abdos. Allez, crêpes hyper croisées. C'est parti. 1. Segment aligné. 3. 4. Allez. 5. Allez, assez de parler de chocolat, là, ça suffit, hein, les amis. Hein. Allez, vite. 9. On va vers le genou opposé. 10. Et on lâche pas. Allez, on reste. Encore. Allez. Respirez. Encore. On reste. Dernière phrase. Allez, changez d'appui. Moi, je tourne pour pas être dos à vous. Allez. On reste. Encore. Pour ceux qui arrivent très très bien, vous pouvez lever une jambe. Allez. On reste. Faut le faire des deux côtés par contre. Hein. Là, je le fais là pour vous montrer, mais à la base, si vous voulez le faire, faut le faire des deux côtés. Allez. Ok, on relâche. Parfait. Les 15 petites secondes de récup habituellement. Hein, mais on a dit que là, on essaye d'enchaîner parce qu'on est des warriors. On lâche pas. Gainage de face. On est parti. Ça va, on n'a pas trop souffert aujourd'hui, hein, sincèrement. Allez, go. Je répète, ceux qui veulent complexifier, vous levez les jambes, vous enlevez un appui. Vous pouvez également faire travailler les petites bouées sur le côté. D'accord, en vous gainant bien comme il faut. Ça marche? Et si vous n'y arrivez pas, hop, vous posez les genoux. Allez, on reste. Encore. Allez, c'est le dernier. Ok, relâchez. Parfait. Super. Buvez un coup. Passenko vous donne l'autorisation de manger du chocolat, mais je crois que vous n'avez pas besoin de mon autorisation pour en manger. Hein. Dès que j'ai déconnecté le téléphone, à mon avis, il y en a qui se ruent vers les placards. Hein. Ce que vous en pensez? À mon avis, je suis pas loin de la vérité. Alors, je vous montre rapidement. Donc, la séance est terminée pour aujourd'hui. C'était une séance tranquille, simple, hein, du week-end. On va pas non plus... Par contre, lundi, on reprend fort, hein, ok? Comme d'habitude. Donc... La petite séance abdos est terminée, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je vous montre quelques petits exercices, on va dire de stretching, d'accord, pour détendre vos abdos. Après votre petite douche, d'accord, pas tout de suite, pas chaud. Donc là, je vous montre ce qu'on appelle la boule, ok. Vous faites la petite boule, hop, vous étirez vos bras vers l'avant et vous relâchez complètement vos abdos, ok. Vous restez 20 secondes. Vous le faites deux fois. Tous les exercices que je vais vous montrer, vous les faites d'affilée, mais en deux séries, ok? Vous avez le premier exercice que je viens de vous montrer. Ensuite, vous avez celui-ci. Vous posez les mains là où vous pouvez, hein, si vous devez les poser un peu moins proche de votre ventre parce que vous êtes un petit peu moins souple du dos, c'est pas grave. Ok, mais là, vous vous étirez, vous relâchez les fessiers, vous ne contractez pas. Vous relâchez, d'accord? Ok, ensuite... Troisième petit mouvement, à genoux, maintenu, d'accord? Maintenu vers le haut et vous vous étirez sur le côté, d'accord? Vous penchez légèrement vos hanches sur le côté, mais pas trop. Hein? Là, on étire vraiment le haut du corps, d'un côté, puis de l'autre, d'accord? 20 secondes à chaque fois et de chaque côté, ça marche? Ça, c'est le troisième exercice. Ensuite, mouvement debout. Trop de bugs ce soir. Ah mince. Donc, mouvement debout. En même temps, tout le monde est connecté. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident. Vous rentrez
D'accord, vous rentrez, regardez. Hop, vous rentrez le ventre. Comme si on vous donnait un coup de poing dans le ventre. Ok? Vous rentrez le ventre, vous relâchez. Et vous étirez. Vous relâchez. 10 secondes. Et vous étirez. Comme ça, ça fait 10 et 10 secondes. 20 secondes en tout. Les 4 petits mouvements que je vous ai montrés là à l'instant de stretching, d'accord? Pour vous étirer un petit peu après vos séances. Vous le faites 2 fois et 20 secondes à chaque fois. D'accord? Voilà. Donc pour aujourd'hui, j'essaie de lire vos commentaires en même temps. Pour aujourd'hui, la séance est terminée. Je voulais vous passer un petit message. J'espère que tout le monde est bien connecté, que tout le monde verra mon message. J'espère, parce que j'ai pas l'impression que tout le monde était là aujourd'hui. Donc, j'ai mis en route ma chaîne, d'accord, sur YouTube. Donc, c'est là qu'il faudra aller voir, aller vous abonner, d'accord. C'est, voilà, une façon de faire différente. Un moyen un petit peu plus pratique aussi. Donc il y aura et sur Facebook et sur YouTube, hein, il n'y a pas de raison, pas de jaloux, il y en aura pour tout le monde, d'accord. Donc je vous invite à aller sur Pasenko by Alexia, donc sur ma chaîne. Disons que c'est le même nom que sur ma page Facebook, hein, ok. Donc je vous invite à aller voir, à liker, à vous abonner pour qu'on puisse continuer à se suivre et pour les photos sur Facebook et pour la nutrition et pour le bien-être, etc. Et puis sur ma chaîne. D'accord? Je compte sur vous. Likez, partagez. Enfin bref, plus on est de fous, plus on rit, comme je dis à chaque fois. En tout cas, je suis encore très contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui. J'espère que pour vous, tout s'est bien passé. Merci à vous tous. Merci de votre fidélité. Merci de partager. Je pense très, 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 très fort à vous. J'ai tellement hâte de vous revoir, que ce soit via Facebook, via téléphone, via une fête monstrueuse. Dans un tissons, hein, pourquoi pas, puisque je suis ATGN, donc tant qu'à faire, autant faire la fête ici chez moi. Voilà, je vous fais des gros bisous, vous y serez bien sûr tous invités, hein, le confinement terminé, là c'est la débandade. Hein. Allez, je vous fais des gros bisous, merci pour tous ces cœurs, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, merci, merci, merci. À la chaîne, bisous, bisous.